Je m'appelle Tatiana Doutevan et je travaille à Centre de mise en forme de matériaux, qui est unité mixte CNRS et l'École des mines de Paris. Et nous sommes à Sophia Antipolis. Je suis d'origine russe, je viens de Saint-Pétersbourg, où je fais toutes mes études à l'université, à la faculté de physique, et où j'ai fait aussi ma thèse dans un grand labo de recherche qui est l'Institut de composés macromoléculaires, qui est un labo de recherche de l'Académie de sciences russes. Je travaille sur les polymères et je suis experte en dissolution, en solution des polymères, les gels et de nouveaux matériaux qui s'appellent les aérogels. Mon travail est focalisé sur les polymères biosourcés, ça veut dire que la matière qui vient de la nature, comme la cellulose, l'amidon, ou pectine, ou carrageenan, ce sont des polymères qui sont abondants sur la Terre, qu'on porte sur nous, qu'on mange, qu'on utilise tout le temps. Mais ce que nous, on essaie de faire est donner une sorte de seconde vie à ces polymères, donc développer de nouveaux matériaux à base de ces polymères biosourcés. Ces nouveaux matériaux, ce sont les bioaérogels. Qu'est-ce que c'est les aérogels? Les aérogels, donc il y a deux parties, aéro et gel. Gel, vous savez, c'est comme les gels de gélatine, par exemple, en matière qui contient beaucoup de liquide, mais qui est consistant. Et aérogel, ce sont des matrices qui sont, ce sont des gels où la liquide est remplacée par l'air. Donc c'est un squelette qui est poreux, mais qui est nanostructuré. C'est ça qui est très important. Et on fait ces aérogels à base de polymères naturels. Donc on n'utilise aucune substance toxique. On part de cellulose et nos matériaux sont à base de cellulose pure où on dissout l'amidon et on a l'amidon pur à la fin. Les bioaérogels, ce sont des matériaux nanostructurés avec tout petit pores et c'est ça qui fait ces propriétés très remarquables. On peut utiliser par exemple comme matrice porteuse de médicaments ou on peut les utiliser comme en anglais c'est scaffold. La matière pour application biomédicale pour remplacer les parties de tissus humains, par exemple, ou encore une application qui n'a pas été imaginée du tout dès le début. En fait, comme ces aérogels et bioaérogels sont très nanostructurés, donc avec la taille de pore de quelques dizaines de nanomètres, petits, ils ont des propriétés comme super isolant thermique. Donc, comme ces matériaux ils sont à base de polymères biosourcés et souvent ils sont très hydrophiles, donc ils absorbent l'humidité et avec l'absorption d'humidité on perd ces propriétés magiques de très basse conductivité thermique. Il faut donc travailler, il faut se battre contre le vieillissement de ces matériaux. Un deuxième problème est le prix de ce matériau. On ne peut pas imaginer qu'avec le procédé qu'on utilise, qui est assez cher, qu'on va mettre l'isolation dans les murs de nos bâtiments. C'est impossible. Donc il faut travailler sur l'amélioration de procédés de matériaux pour le rendre moins cher, le moins cher possible. Ces bioaérogels, ce sont des matériaux complètement nouveaux qui n'existent pas il y a une quinzaine d'années. Donc c'est nous, c'est ici à Sofia, on les a découverts, j'espère. Et attirer plus de financement pour nos projets et attirer les jeunes talents pour travailler avec nous. Vous êtes bienvenus.